Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur BioShock Infinite, épisode 27. Après deux épisodes d'attente, on va enfin visiter le jardin du monument. Alors là, bah, normalement c'est toujours fermé, je vérifie juste qu'il n'y a rien qui traîne par terre, rien de brillant. Petite pièce, un petit crocheton. Que dalle, que dalle. Je suis content que ça se goupille aussi bien. Je remercierai jamais assez le chaos de faire en sorte que tout se goupille aussi bien sans que ce soit préparé. Venez. Tu peux me dire ce qu'on cherche? Eh ben, on cherche le tombeau de la maman d'Elisabeth, hein, ni plus ni moins. Nous y sommes. Yup, Notre-Dame. Alors, je vais pas m'y rendre tout de suite. J'ai d'abord looté tous les cadavres qu'il y a dans la zone. Il y a deux crochets à récupérer et il y a deux pillards, normalement, deux pillards de tombe qui sont plus là, mais ils étaient là la première fois que je suis venu. Bon, ça me permettra d'économiser des balles, très bien. On loot tout, on prend tout. Tout doit disparaître. Et en sachant que la première dame, ça fait 19 ans qu'elle est morte. Bon, je pensais que c'était un peu moins. Je croyais qu'Elisabeth avait 17 ans. Il s'avère qu'elle en a 19-20. Mais bon, c'est pas, c'est entre peu et pas important à ce niveau de différence d'âge. Par contre, en 19 ans, vous allez bientôt le voir, la mère Comstock, elle est quand même vachement bien conservée, hein. Elle est aussi fraîche que si elle était morte la veille. Franchement, je sais pas comment ils ont fait pour qu'elle soit, pour que le temps ait aussi peu d'emprise sur elle, parce qu'elle a, elle a pas l'air morte en fait. Elle a juste l'air d'être en train de dormir. Donc ici, y a rien à part un kit de soins. Là derrière, y a que dalle normalement. Il y aurait moyen de sortir ou d'aller dans une autre partie du cimetière peut-être. Alors ici, c'est ici, il y a une grille qui m'énerve parce que derrière il y a un équipement et cette grille, j'ai pas moyen de l'ouvrir. Je sais pas s'il faudrait que j'utilise un tonique ou une arme ou quelque chose ou un mécanisme à trouver, j'en sais rien, j'ai pas trouvé de mécanisme. J'avais passé un quart d'heure à fouiller le cimetière à la recherche d'un moyen d'ouvrir cette grille et j'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est ces statues de petites filles où il y a écrit dessus Rest in Peace, Loved Sisters. Ensuite, c'est Victoria. Lockram, Lockringe, j'en sais rien. 1880, 1800, on ne sait pas. Alors, le on ne sait pas, je ne sais pas s'il fait partie de l'easter egg, mais le fait qu'il y ait écrit Loved Sister, je considère que ces statues de petites filles, c'est des références aux petites sœurs du premier jeu, donc je trouvais ça assez sympa. Et l'autre machin que je trouvais marrant, c'est que les pilleurs de tombes, ils étaient en train de vider ce cadavre. Et en voyant les deux tombes qui étaient à côté sans cadavre, je me suis demandé s'ils les avaient transportées autre part. Et ensuite j'ai regardé Lutèce, Lutèce. Et je me suis marré tout seul. Je m'amuse comme je peux dans ce jeu, mais c'est le genre de petit détail qui est vachement sympa. Parce que pour des mecs qui doivent être, qui sont partout, qui sont toujours là où ils doivent être et qui doivent être partout où ils sont, je trouve qu'ils manquent cruellement à l'appel. Mais enfin. Ceux-là, je les ai déjà lootés normalement. Ouais. Et ici, à part des kits de soins, il n'y a rien. Bien, 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 bien. Bon, bah, allons voir Madame Comstock. La chère petite maman. Avec une serrure. Vas-y. À vos ordres. Ouais, la serrure, elle n'était pas là la première fois que je la suis venu. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Ses empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous? Ben, c'est ta mère, c'est à toi de voir, j'irai, mais... Bon, si tu veux que je vienne. Madame Comstock, bonjour. Permettez qu'on s'invite dans votre repos éternel. Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère? Vous êtes bien sous clé? Finalement, nous avons au moins ça en commun, toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Ouais, t'as déjà le sang de Daisy Fitzroy sur les mains, on va pas rajouter celui de ta mère en plus, même si elle doit plus en avoir beaucoup à... dans l'état où elle est. Ouais, j'ai vu le cadenas. Bon. Par contre, le fait que ce soit une chambre hermétique, je sais pas si ça justifie le fait qu'elle soit aussi bien conservée. Je pensais qu'elle se serait un peu, je sais pas moi, asséchée, comme une momie l'aurait fait, mais enfin... Ou alors qu'elle se serait à moitié décomposée, mais je veux dire que juste le fait qu'elle soit dans une chambre hermétique en 19 ans, elle est toujours aussi fraîche que si elle était morte la veille. Mais enfin, Madame Comstock, permettez que je vous prenne la main.
qui a éteint la lumière. Waouh. Elisabeth, est-ce que tout va bien? Où est-elle passée? Tiens le coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi ta mère est un fantôme? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour alimenter cette machine. Il a ouvert une sorte de faille. Ouais, cette machine, c'est, je crois que c'est la technologie du siphon qu'on avait vu dans la tour de... Enfin, dans la tour... C'est quand même, c'est balèze. Le prophète, il a pensé à piéger le tombeau de sa propre femme avec une machine capable d'aspirer les pouvoirs d'Elisabeth pour amener sa femme à la vie. Là, pour le coup, chapeau le prophète, il a vu grand. Bon, après, Elisabeth, elle m'a demandé de l'aider, mais je suis pas sûr que tirer sur ces machins ce soit utile. Le seul autre moyen pour qu'elle arrête de souffrir, ce serait de la tuer, et ça, je m'y refuse. Et le prophète qui est là, tout ce que je fais, c'est par amour, ouais. Bon, mon gars, va falloir qu'on discute un petit peu de ce que tu appelles faire ça par amour. Parce que je connais personne qui infligerait ce genre de choses à ses enfants ou ni même à qui que ce soit par amour. Mais enfin, allons chasser le fantôme. J'espère que c'est quand même valable, ces empreintes. C'est ouf. Je vais prendre ça... Contre les fantômes, je pense, je suis persuadé que le feu, ça marche bien. Non, reviens là. Reviens là. Elle ressuscite les morts. Ah, fuit tous les cadavres qui sont... Bouffe. Bouffe. Tous les cadavres qui sont là. Recharge. Tous les cadavres qui étaient présents dans le cimetière, ils sont en train de les ramener à la vie. Non. Restez morts, messieurs, s'il vous plaît. Ah. Ouais. Trouve. Merci. Allez, tu bouffes. Elle est où? Elle est là. Tu bouffes. Crève. Allez, tu bouffes. Où est-ce que t'es, mon gars? Oh, il a lance-roquette, lui, je le vois. Je prends. C'est bon, il est mort. Allez, t'es où? Allez, tu bouffes. Je prends cher, mais si elle ramène à chaque fois les gars que je tue... Merci. Si à chaque fois elle ramène les gars que je tue, va falloir que je fasse autre chose. Ah, j'ai plus de vie. Non. Ouais, je récupère un peu. Le kit de soin. Le kit de soin, il est là. Nickel. Crevez, messieurs, crevez. T'es où? Crève. Elle est où? Crève. Ouais, je prends. Allez, un petit coup de flamme pour finir. Brûle! Yes! Elle est quoi, au juste? Mon Dieu, c'est elle la source de mon pouvoir? Mais qu'est-ce qu'elle est? Vivante ou morte? Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? La seule différence entre le passé et le présent? C'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous percevions la vraie valeur du temps... Qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de leur lit? Comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension... est une association dangereuse. Regardez! Pas. Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock. Ouais, évidemment. Au moment où je me retourne, eux, ils disparaissent. Ah, mais c'est mignon, ils creusent leur propre tombe. C'est adorable. Je les adore, ceux-là.
Meilleur duo ever. Bon, tous les cadavres qu'elle a ressuscités, est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas présents de base et que j'aurais à relooter par le plus grand des hasards? Non, déjà fouillé. Lui, il est vide. Je vais voir les autres. Là, il y en a qui avait un lance-roquette. Déjà vide. Déjà fouillé, ouais. Il y en avait qui avait un lance-patate. Ah non, les cadavres qu'elle a ramenés, ils sont... Ils sont pas tous là, hein. Ah, eux, j'ai oublié de les fouiller. Hop. Voilà. Avec le gros kit de soins qui était pas utile. Heureusement que j'ai repensé au... Heureusement que j'ai pensé à ceux qui étaient... Ceux qui étaient là-haut. Ceux qui étaient dans la faille. J'y serais passé sinon, mais méchamment. Bon, allez, on va pas se fatiguer à tous les looter. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Voilà, recharge au passage. Niveau munitions, je suis bon. Dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir trois réalités. Toutes les trois détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas? Mais là, ils sont sarcastiques, ces deux-là. Et très théâtral, disparition Madame dans la... Comstock. À quelque chose d'étrange. Ouais, j'avais remarqué. Non, vous ne comprenez pas. Elle... Elle n'a rien à faire ici. J'ai ramené quelque chose, mais je... Je ne crois pas que ce soit elle. Bon. À la... À l'affirmation, je ne crois pas que... Il y a deux empreintes de pas. Je suis laquelle ? J'ai trois failles à trouver, trois failles qui nous montreraient une réalité qui pourrait exister si Comstock l'avait pas détruite. Je pense qu'il y a moyen d'aller vers le labo des Lutès et vers le studio photo. Peut-être qu'elle nous emmène vers le studio photo par là-bas. Donc on va aller dans le labo des Lutès. C'est quoi ? Vu que c'est le plus proche, j'estime, par rapport à tout ça. On va commencer par là. Par contre, il y a les deux là, je sais pas quel est le troisième endroit. Ah, il y a des gens. Il y a des gens à zigouiller. Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Ouais, je prends. Et je change pour ça. Tu bouffes, mon gars. Toi, tu bouffes aussi. Ah, je suis faible. Non, non, non. Crève, crève, crève. Ah, je suis mort. Dommage. Eh, j'étais un peu trop greedy, là, pour le coup. Arrêtez de vouloir me dévaster. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Il y en a d'autres, non? Ah, voilà, il en manque un. Je me disais bien qu'il y en a un que j'avais pas tué. Ouf. Voilà, c'est bon. Et voilà. C'était le dernier. Très bien. Ça, c'est bon. Le réflecteur, non. Des cristaux, je suis pour. Et un petit peu de sandwich. Bien. Et effectivement, maintenant... J'ai une serrure à crocheter. Je vais essayer. Danger, risque de mort. C'est fait. Mais... Allons-y quand même. Fouillons un petit peu le labo des Lutès. Tous ces trucs marrants et incompris qu'on va trouver. Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Hop, le crocheton. D'ailleurs, il y avait deux crochetons à récupérer là-haut. J'ai pensé à les faire. Bah, tant pis. Enfin, j'y retournerai de toute façon, peut-être. Les deux crochetons qu'il y avait récupérés dans le cimetière, vu que j'ai oublié de looter les cadavres qui étaient à côté, je pense que j'ai pas pensé à prendre les crochetons. Je les récupérerai après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des spectres. Chercher les failles dans la boutique du photographe et à la banque. Ah, la banque! C'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre? Après. Je vois que... J'ai l'impression que c'est le mobilier, en fait. À cause de ce machin, le mobilier il est en train de revivre le moment où il était en place normale et il est en train de revivre l'action qu'il a vécue entre le moment où il était en place et le moment où il est en ce moment. C'est sympa. Bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait bizarre?
Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Fouiller le bureau, oui. Du gâteau. Et là-dedans, le voxophone. Comstock est, semble-t-il, devenu stérile par simple exposition à notre engin. Une théorie, si la reproduction sexuelle atténue les caractéristiques de chaque parent, de multiples réalités ont le même effet sur la nôtre. Vos traits s'estompent jusqu'à s'effacer ou disparaître complètement. Alors si je comprends bien, le fait d'avoir un enfant, ça atténue les traits des parents originels. C'est-à-dire, moi j'ai les traits de mes deux parents, mais en moins prononcés que chaque parent distinct. J'ai hérité d'une partie seulement des traits de mes deux parents, mais ce qui fait que j'ai des traits qui correspondent à 100% des miens. Et pareil, la réalité dans laquelle on se retrouve, elle est en train de s'estomper à mesure qu'on la couple, j'ai envie de dire, avec d'autres réalités. À mesure qu'on mélange les réalités, la réalité de base commence à disparaître. Donc c'est dangereux, oui, on a bien vu avec Elisabeth, hein, on a pu en faire un petit peu l'expérience, en ouvrant des failles. Le rangement à l'infusion. Là, excellent. Sent déjà mieux. Et un voxophone. Comstock a saboté notre engin. Et pourtant, nous ne sommes pas morts. J'ai une théorie. Nous sommes dispersés à travers l'espace infini des possibles. Mais mon frère et moi sommes réunis, et je m'en réjouis. Lui, moi, nous n'avons pas résolu le problème de la fille. Mais peut-être que quelqu'un pourra le résoudre pour nous. Résoudre le problème de la fille. Qu'est-ce que tu poses comme problème, Elisabeth ? Qu'est-ce que tu poses comme problème aux scientifiques ? Je sais pas pourquoi est-ce que si Rosalind et son frère, si ce sont les mêmes personnes avec juste un chromosome de différence, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a un qui aime pas trop la proximité et l'autre qui est tout en joie, tout en jouet d'avoir rejoint son frère. Allez, ouvrons la faille. Je porte un intérêt asexué à votre cher prophète. Et Madame Lutèce ? Qui vous est, ce pauvre homme est stérile. Vous mentez ! Je vais récupérer votre vengeance ! Je veux qu'elle quitte ma demeure ! Stérile ? Je ne suis pas leur fille. Hein ? Alors qu'est-ce que tu es ? Un enfant qu'ils ont choisi d'emprisonner. Elle a mérité ce que lui a fait Comstock. Ouais, je l'ai vu. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire par Madame Comstock n'a rien à faire ici ? Elle est presque animale. C'est comme voir un reflet de... Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'on aura le temps d'y réfléchir. Alors, je peux le lire maintenant ? Madame Comstock semble penser que l'enfant est né d'un acte charnel quelconque entre son bien-aimé prophète et moi-même. Je lui ai dit la vérité, que l'enfant est le produit de notre petit engin. Mais je crois qu'elle a trouvé cette histoire moins crédible que ses divagations. Non. Alors, Elisabeth, Elisabeth, ramène-toi, je te présente ton... Enfin, ta... Flûte, je dois considérer que c'est un homme ou une femme, ce machin. Je vois qu'il y a deux boules, mais j'exprime quand même un doute. Enfin, voilà. Après, je pense qu'on devrait dire que c'est une femme, pour la même raison que la mort est un homme. Pourquoi est-ce que la mort est un homme ? Parce que s'il y a bien un truc que la mort ne sait pas faire, mais que les Sam savent faire, c'est engendrer la vie. Donc la mort est un homme, c'est QFD, donc cette chose-là doit être une femme. Par contre, je me demande comment c'est possible, comment ce machin il peut pondre un enfant, entre guillemets, comme ça, sans aucune raison préalable. Des questions. On est plus proche de la banque. Ouais, on va aller à la banque. On est plus proche de la banque, donc on va à la banque.
Et il faut aussi que je trouve le code. Oui, j'ai pas vu de code chez les Lutès, donc faudra que je sois prudent pour voir si je le trouve autre part. Le code de la Vox Populi. Normalement, j'ai tout fouillé, donc je fonce sans même regarder à gauche et à droite. Normalement, direct à la banque, et on n'a rien loupé. Chargement, chargement. Vas-y, mon petit, tu peux y arriver. Merci. Ouais, j'entends des fois le petit tcha-tcha-tcha-tcha. Elle est pieds nus. Je constate qu'elle est pieds nus. Et on va à la banque. Virer de l'allée Korbach. Oh non. Brûler. Griller. Voilà, parfait. Griller tous. Griller tous autant que vous êtes. Parfait, ça en fait un de moins. Je me suis téléporté je ne sais où. Bouffez. Bouffez tous. Merci. Allez, riez tous. Ah, je brûle. Ah, non, je suis faible. Je suis mort. C'est pas grave. Oui, je me lève. Patiente un peu. Pourquoi est-ce que je réapparais ici? Bon, ça va me permettre de déglinguer hop, ceux qui sont là. Parfait. Tu crèves. Voilà. T'as quelque chose dans l'œil, permet que je retire l'œil. Ils sont où? Ils sont où? Non, le pyromane, toi tu crèves. Grille, grille mon gars. Où est-ce que t'es? Il est où le Korbach? Merci. Moi je voudrais déjà que l'autre il grille. Ah putain. Allez, grille, mon gars. Hop, je loot tout. Allez, crève, mon gars. Qu'est-ce que t'es? Où est-ce qu'il est? Aïe. Crève, mon gars. Voilà. Et hop là. Il est où? Oh purée. Oh, ça fait mal. En plus, il me projette dans les flammes. Il y en a encore. Voilà, ça en fait un de moins. Qui d'autre? Je t'ai eu. Prenez ça. Merci. Génial. J'ai trouvé des munitions. Allez, voilà. C'était le dernier. Phew. Au passage, tant qu'on y est. Le loot, beaucoup de loot. Voilà, ça c'était le deuxième Korbach. Je me disais que j'en avais vidé un et pas le deuxième. Ça aurait été dommage. La mitrailleuse, non, mais c'est vrai qu'il drop beaucoup de mitrailleuses. Peut-être que je devrais la reprendre. J'ai trouvé de l'argent. Vous merci. Cette pile de cadavres qui est en train de brûler joyeusement. Aïe. Je sais pas d'où ils viennent. Eux c'était déjà looté. Et par là j'ai pas loupé de cadavre. Pas lui. Lui non plus. Très bien, direction la banque. En espérant qu'il n'y ait plus personne. Qu'est-ce qu'il y a de neuf à la banque? À part des mecs qui étaient pas là à la base. Qu'est-ce que cet endroit a à voir avec ma mère? Eh bien c'est une bonne question, je présume. J'aurais dû revenir sur mes pas tout de suite. Maintenant, je vais devoir faire un... C'était pas fleuri, ça, avant, si. Il s'est passé quoi, là? Ouais, c'est Madame Comstock qui est en train de faire fleurir tout ça. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Je récupère, hein, je vide les cadavres. On appuie sur le bouton. Quitter la zone. Non.
Non, on va pas quitter la zone, je vais d'abord visiter le... Le studio de photo. Je pars du principe très bête et très méchant que même si ça va pas disparaître, la faille, il va falloir la visiter quoi qu'il arrive, même si je le fais après la banque. Mais je pars du principe très bête et très méchant que si je dois quitter la zone, autant ne plus avoir rien à faire dans la zone précédente. De base, je veux dire. Non, c'est le mauvais côté. Le studio photo, il est par là-bas. Je peux y aller par là. Yes! Autant y aller de manière stylée. Et hop là. Voilà. Le studio photo, donc. Et ensuite, on retourne à la banque, on charge la prochaine zone et on s'arrête. Tac, 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 tac. Je connais le chemin, Madame Comstock, pas la peine de me le montrer. Je suppose qu'il va y avoir encore des ennemis. Il y a eu des ennemis devant le labo de Lutèce, il y en aura devant le labo photo. Inévitablement. On est déjà fouillé, hein, celui-là. Évidemment. Normalement, tout ça, c'est bon. Et après, soit je repasse par les... devant les jardins, soit je passerai devant les jardins au moment d'aller chez Comstock. Bon, pas d'ennemis. S'il y a des ennemis, peut-être qu'ils sont plus loin. Tu peux me crocheter ça? Ça ne prendra qu'une minute. Donc, dans le doute, je profite. Je profite de pas avoir à mener de baston. Je suis déjà mort deux fois, là. S'il pouvait éviter d'en avoir une troisième. Tenez, gardez ça. Merci. Le phonographe il tourne, ouais. Ouais, il était activé, très bien. On est la petite musique d'ambiance agréable. L'autre faille, oui, je vais l'ouvrir. D'abord, je termine de fouiller le studio de photo. Fric, fusil à pompe, non, j'en ferai rien. Autre chose? Non, hein. Un petit crochet. Voilà, et la pièce de derrière. Des tonneaux. Des tonneaux où on peut pas interagir avec. Par la queue dalle. Ah. Les petits crochets. Le portrait d'un couple tout à fait lambda de Columbia. Et je suis coincé, t'es sérieux? Hop là. Bien, ouvrons la faille. Mais vous êtes mort? J'ai pris la photo de votre enterrement? Oui. D'ailleurs, vous auriez pu vous appliquer. Qui pourrait croire que la photo d'un cadavre se révèle aussi peu vivante? Je ne crois pas que ce soit la vraie Madame Comstock. Je crois que... c'est un mélange entre elle et les sentiments que j'ai à son égard. Comment ça? Je suis en colère. Contre elle et contre mon père. Je crois que c'est elle, mais aussi un peu moi. Je suis même pas sûre de bien comprendre moi-même. Ouais, on aura tout le temps d'y réfléchir plus tard. Je vais d'abord prendre ça. C'est de la folie. Comment veux-tu prouver que Monsieur Fink s'en est pris aux Lutèces? Les Lutèces me l'ont dit. Les Lutèces? Quand? Hier matin. Rupert, ils sont morts depuis 7 jours. Les Lutèces qui, une semaine après leur enterrement, parce qu'ils ont été dispersés dans le milieu quantique, enfin je vais appeler ça comme ça, ils ont été dispersés dans le continuum espace-temps, ils décident de revenir voir le photographe qui a pris la photo de leur enterrement pour lui dire qu'il aurait pu s'appliquer un petit peu parce qu'ils avaient des têtes de déterrés, littéralement. Et au passage, dans la conversation, il lui glisse que c'est Fink qui les a assassinés. Mais je pense pas que les Lutèces cherchent vengeance. Je pense pas qu'ils veulent que Fink paye pour ce qu'il leur a fait. Je pense qu'au départ, ils voulaient juste voir le photographe
Et ils ont balancé le truc, ils ont balancé l'info, c'est Fink qui nous a tués, il aurait pu quand même s'appliquer un peu plus, un truc comme ça, mais juste pour la rigolade, ils veulent pas. Je pense pas qu'ils cherchent vengeance. Je pense pas qu'ils soient rancuniers. La preuve, Madame Lutèce, Rosalind, elle était aux anges de pouvoir être avec son frère continuellement comme ça. Bon, lui, le frère en question, il est moyennement pour, mais il a pas le choix. Allez, tac, direction la banque. Voilà, je voulais atterrir ici, mais bon. Si le jeu me le propose pas tout de suite. Au moins, on a fait les choses de manière stylée. Allez, chargeons la prochaine zone. Hop. Et on se dit au revoir. Hall principal de la Banque du Prophète. La Banque du Prophète surplombe la ville comme un veau d'or. Je me demande combien ça coûte, une paire d'ailes. Voilà, sauvegarde. Il va y avoir des ennemis là-dedans, je le sens. C'est un truc qui est beaucoup trop grand, il y a une faille qui est beaucoup trop évidente. Quand il y a des failles comme ça, c'est forcément qu'il y a des ennemis. Bon, bah avant de déclencher la baston, et avant de découvrir ce qui lie cet endroit avec Madame Comstock, ouais, au sujet de... C'est un mélange entre Madame Comstock et tes sentiments, et t'es pas sûr de bien le comprendre, pour moi ça a l'air d'être quand même assez évident, c'est... Vu que le prophète il a pompé une partie de ton pouvoir pour la ranimer, c'est normal qu'il y ait eu une sorte de transfert... Et que Madame Comstock, du coup, quand elle, dans sa réincarnation, elle soit une réincarnation de la colère, c'est du coup ça fait sens. Même si on comprend pas comment c'est possible, ça fait sens. Enfin bref, sur ce, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout team, et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à ciao, bonsoir.